façon, tu vois. À l'heure actuelle, c'est fou comme tu peux te foutre de la gueule des téléspectateurs sans qu'ils s'en rendent compte. Dominique, ça tourne. Très heureux de vous retrouver dans Tout Beau aujourd'hui à Gland en Suisse. D'ailleurs, vous nous avez surpris dans un petit moment de détente. Tout Beau qui est content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie du test de cette Mégane RS qui s'annonce un peu plus conventionnelle que celui de la première partie. Quoique, allez, on retrouve tout de suite Cyril Tarpey pour la présentation de cette Mégane RS. Cyril Tarpey qui vous a réservé une petite surprise. On connaissait déjà la Clio RS, la petite bombe atmosphérique survitaminée de Renault Sport. Et pour continuer dans la lignée, en voici sa grande sœur turbo-compressée. J'ai nommé la puissante Renault Sport Mégane GT. GT non pas pour gagnant toujours, mais pour grand tourisme. Car c'est bien d'une grande routière qu'il s'agit avant tout. Et cette Mégane dégage ici, dans une robe noire dorée, une très forte personnalité. Une ligne trapue, une large entrée d'air à l'avant et une double sortie d'échappement, des jantes en 18 pouces pour des pneus en 225, reflètent bien l'instinct sportif et puissant de cette Mégane GT. Équipée d'un moteur 4 cylindres, 2 litres turbo compressé de 225 chevaux, cette Mégane invite inexorablement à dévorer les kilomètres sans limite. L'intérieur, ici présenté dans sa finition tout cuir avec surpiqûre orange sanguine, est également à la hauteur de la robe externe de cette Mégane. Sobre et raffinée, tout est une invitation pour le pilote à prendre et garder la route le plus longtemps possible dans une ambiance à la fois sportive et confortable. Avec en plus, en option, un toit ouvrant panoramique qui augmente la clarté et la sensation de bien-être à bord. Puissante et sécurisante, cette Mégane RS sait parfaitement conjuguer à tous les temps l'expression « rouler et prendre son pied ». Mais pour présenter au mieux cette Mégane, j'ai eu l'idée de m'adresser à un spécialiste des berlines noires puissantes à fort caractère. J'ai nommé, en exclusivité pour Tout Beau, Monsieur Batman, qui nous a fait l'honneur de donner son avis et tester cette Mégane. Un moment tout à fait exceptionnel dans Tout Beau. Salut Tout Beau, c'est Batman, je suis content de vous retrouver. Comme vous le voyez, mis à part quelques rôles que je tiens au cinéma, je suis mécanicien auto dans ma vie de tous les jours. Ça permet de rester au contact des belles bagnoles, surtout des noires que j'adore. Tout d'abord, j'ai vraiment été bluffé par le style de cette Mégane, vraiment très personnalisé. On la reconnaît de suite dans le trafic, un peu comme ma Batmobile d'ailleurs, mais j'adore son avant, vraiment très chouette. J'adore aussi les routes 18 pouces avec les étriers Brembo sur cette Mégane. Bon, moi sur ma Batmobile, j'ai monté des 24 pouces, ça en jette un peu plus, mais bon, j'adore ces roues quand même, super. Ouais, le moteur est propre, bien implanté. Bon, je préfère le moteur à propulsion protonique de ma Batmobile, mais personnellement, j'avoue que c'est propre, tout y est, il n'y a rien qui dépasse, c'est nickel. Oh, j'aime beaucoup l'intérieur de cette Mégane, la finition tout cuir avec ses surpiqûres orange, c'est vraiment sympathique, et puis une instrumentation qui est vraiment claire, bien disposée, simple à la fois, mais très complète. Ça me change de ma Batmobile, quoi. Moi j'ai environ 344 boutons sur le tableau de bord, les missiles, l'accélération proto-nucléaire. Mais bon, c'est encore une autre dimension, c'est une autre auto, je peux pas comparer les deux. Mais là, franchement, pour une Renault Sport, c'est une très très belle finition. J'adore, comme sur ma Batmobile, le bouton pour démarrer le moteur. Allez, on y va. On est bien dans cette taillette, on est bien. Salut. Alors, la conduite de cette Mégane est vraiment très agréable. Moteur très sobre, coupleux, bon freinage. Accélération franche, bon. Ma Batmobile est bien plus puissante, mais moins adaptée à la route actuelle, c'est clair. Bon, le châssis est également très bon, très efficace. C'est vraiment une auto pour tailler la route. Bon, moi avec ma Batmobile, la route, je la défonce plutôt, mais faut avouer que c'est vraiment une voiture idéale pour les conditions actuelles. Quoi.
Ah non, c'est vraiment très agréable cette mégane. La boîte est vraiment bien étagée, précise. Bon, la course est un peu longue, mais c'est une très bonne boîte de vitesse. Bon, je préfère les 24 vitesses de ma Batmobile, mais c'est une autre technologie. Je peux pas comparer. Salut. Salut à Maurice, mon ami. Bonjour madame. Batman, Batman toujours poli avec la population. C'est un principe. Et merci tout beau encore pour les 7 MRS et je vais encore en profiter un petit peu si vous permettez. Allez, ciao tout beau, merci. Eh bien, merci encore à Batman pour le test exclusif pour tout beau de cette Mégane qui, je suis sûr, vous aura plu et dont je conserverai le sabre laser donné par Ben Kenobi qui m'avait servi pour la première partie et qui m'avait valu, vous vous souvenez, quelques déboires. Allez, ciao et à bientôt pour tout beau. J'ai mal. Bientôt. J'ai mal.